Les opposants à la candidature d'Ali Bongo à la prochaine présidentielle au Gabon maintiennent la pression sur la Commission électorale nationale et permanente, CENAP. L'Union nationale et le mouvement Héritage et Modernité qui mènent le leadership de ce combat ont déposé un total de 2600 lettres à la guérite de la CENAP, des courriers qui appellent la Commission électorale à rejeter le dossier de candidature du président sortant. Les adversaires d'Ali l'accusent d'avoir été adopté par l'ancien président Omar Bongo et donc de ne pas respecter les dispositions de l'article 10 de la Constitution qui exige que les candidats à la présidentielle soient gabonais d'origine. Le président du mouvement Héritage et Modernité, Alexandre Barrault-Chambrier, accuse Ali Bongo d'avoir présenté un faux acte de naissance lors de sa première élection en 2009. L'affaire des origines du président Ali Bongo cristallise des tensions au Gabon un mois et demi avant la présidentielle prévue le 27 août prochain.